Salut à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je tiens à m'excuser, j'ai fait un message sur mon Discord qui prévient que je ferai pas de vidéo avant cette date actuelle, donc à la date à laquelle sort cette vidéo. Donc on reprend doucement les vidéos, mais quand même avec un bon tutoriel là qui va sûrement en aider plus d'un. Qui est du coup de comment installer QuantVie, mais bien sûr gratuitement. J'ai réussi à trouver un serveur qui donne la version payante gratuitement, donc je vous mettrai dans mon Discord en description, mais je vous expliquerai tout en vidéo de toute façon. Là je vous fais une petite voix off avec le gameplay du coup final que vous allez avoir sur GTA V. Donc dans le tutoriel vous verrez que j'ai réinstallé complètement le jeu, vraiment pour que le tutoriel soit le plus complet et que vous puissiez tout comprendre comme ça vraiment. Vous aussi vous aurez la même chose que moi. Bien entendu, il faut que votre jeu ne soit pas modé, donc au préalable réinstallez-le peut-être si jamais vous avez déjà installé des mods dessus. Si jamais vous n'avez installé de mod, dans ce cas ça sert à rien de le réinstaller. Si vous avez jamais mis de mod dessus, vous pouvez directement le garder. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'intro et la vidéo. Bon visionnage! Donc ce que je vous conseille c'est d'aller sur le serveur Discord qui est dans la description, c'est mon serveur. Là vous allez arriver ici, vous allez avoir un fichier QuantVie. Alors là c'est la version la plus récente que j'ai réussi à trouver. Mais si jamais vous voyez qu'il y a une autre version qui existe, je vous conseille d'aller sur ce site, de cliquer ici. Là vous allez avoir la recherche QuantVie et vous regardez les versions les plus récentes que vous pouvez réussir à trouver. Moi j'avais trouvé sur un serveur Discord, mais malheureusement je devais vous le partager, mais il a été supprimé par Discord entre temps. C'est un peu dommage. Donc il y a quand même ce site qui existe, donc n'hésitez pas à aller dessus. Le lien est du coup sur le serveur dans la description, où vous tapez launcherleak.com sur la barre des recherches. Voilà. Donc sinon vous cliquez ici et vous faites télécharger pour télécharger le fichier de QuantVie. Donc une fois que celui-ci sera téléchargé, vous allez voir que c'est très simple, ça va être un zip qu'il va falloir double-cliquer pour ouvrir. On va être rendu ici, on va donc ouvrir OpenIV maintenant. Vous allez devoir installer au préalable sur votre GTA. Voilà. Donc on attend que ça s'ouvre, maintenant on fait Windows. Là il me dit que GTA n'existe pas. Donc là en fait il faut sélectionner l'endroit où est installé votre GTA 5. Donc ma part il est ici. Sélectionner un dossier. Voilà, vous attendez et vous attendez que ça vous confirme que votre GTA est bien présent. Voilà. Une fois que ça a marché, ça devrait vous mettre ce petit truc avec écrit Starting. Dès que c'est bon, vous attendez un petit peu et voilà. On arrive sur la page de notre jeu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans Tools, dans IC, dans IC Manager et vous allez installer les trois. Là, vous faites Yes et là, vous faites Installer. Voilà. Une fois que c'est installé, on va cliquer sur l'Edit Mode et on va faire Oui. Ensuite, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Install, Base Mode, et vous allez installer d'abord la Base Mode. Vous allez faire Install, vous allez prendre la Base Mode et vous allez la glisser ici. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Install, Mode Folder, Install. Et ensuite, vous allez juste patienter, histoire que la Base Mode s'installe. Je reprends une fois que c'est terminé, à tout de suite. Une fois qu'il est installé, conseil de revenir en arrière, d'aller dans Optional, Optional Preset. Vous pouvez installer par exemple Brighter Emergency Light. Vous installez le Bright, pas le Very Bright, juste le Bright suffit. Je vais vous montrer ensuite quelques autres modes que vous allez pouvoir installer en plus avec du coup le Base Mode. Donc dans le Base Mode, je vous conseille, vous pouvez installer le Long Draw Reflection. Ça c'est un mode que vous pouvez installer. Alors évidemment c'est des modes qui prennent un peu plus, alors je sais pas pourquoi je peux pas le poser mais c'est pas grave. C'est des modes évidemment qui vont un peu plus prendre de performance selon votre PC, etc. Voilà, là il y a un performance drop. Moi je vais pas l'installer parce que c'est beaucoup trop, enfin je trouve que c'est un peu c'est un petit peu beaucoup. Par contre celui-là je vous conseille de l'installer. Voilà, si jamais ça vous convient pas les modes que vous mettez, vous pouvez toujours les désinstaller avec les Uninstaller. Mode, installez toujours dans le mode folder tous les fichiers que vous installez. Vous voyez si ça vous plaît ou pas. Ensuite, une fois que c'est fait, on va revenir en arrière. En arrière. Et là, on a quantvinstall.uiv. On va le prendre. On va cliquer ici. On va le prendre et on va le glisser. Voilà. Donc là, c'est pour installer Quant, le mode en lui-même. Mode folder, install. Et vous attendez un petit peu, histoire que Quant s'installe. Là, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est le mode graphique Quant. On prend une fois que l'installation de QuantVie est terminée, à tout de suite. Une fois que l'installation est terminée, on peut faire fermer.
Là, on va pouvoir aller dans les optional et je vous conseille d'aller dans les performance quality. Là, alors là, il va falloir installer un reshade. Moi, ce que je vous conseille, c'est le VRI qui est en défaut. Voilà. Après, si vous n'avez pas une bonne config, voilà, prenez peut-être en dessous ou un reshade plus ENB. Moi, je vous conseille dans les reshade. Moi, pour ma part, je vais essayer avec le high parce que je sais que le VRI, j'avais quand même des chutes d'FPS. Donc, je vais essayer avec le high. Ou le VRI, remarque. Je vais prendre le VRI parce que le VRI c'est le défaut. Enfin, ça allait, mais j'avais pas de chute d'FPS en soi. Mais c'est voilà, je tournais aux alentours des 60 FPS avec une RTX 3070. Je préfère vous voilà prévenir que c'est assez gourmand. Après, je sais très bien que ma carte graphique commence à être un peu vieille, mais bon. Optional preset. Moi, les optional presets que je vous conseille. Alors, Starfield Galaxy, tout ça, ça sert pas trop. Ça c'est pas terrible. Shadow, je vous les conseille. Les ombres, je vous les conseille. C'est hyper bien. Ça vous met des ombres beaucoup plus jolies. De toute façon, vous avez des points HTML, vous les prenez, vous les glissez sur une page internet, ça va vous le mettre. Donc Raindrop, je vous conseille de mettre celui-là. Donc si je regarde bien, c'est celui-là normalement, c'est le oui. Celui-là qui regroupe ces deux-là, c'est hyper important. Si vous voulez une config vraiment jolie, mettez celui-là. Voilà, mode folder et install. Après, le temps que ça s'installe, Metallic Paint, je vous le conseille aussi. Alors, vous en avez différents, vous voyez. Et je vous conseille le paint plus iridescent. C'est ce qui rend votre jeu le plus joli. Vous prenez, hop, comme toujours, install, mode folder, install. Ensuite, ça, vous n'êtes pas obligé. Ça encore moins, ça non. Visual preset, vous pouvez installer les visual presets qui vous met. Et honnêtement, c'est pas hyper obligé. Vous pouvez installer la Starfield Galaxy si vous voulez. Vous pouvez installer la Neige si vous voulez. Voilà, vous pouvez installer pas mal de petites choses. Mais après, les volumétriques cloud, moi je vais les installer aussi. Je vais les installer, les volumétriques cloud. Donc, on va le prendre. Et on clique là, on le prend et on glisse. Voilà. On fait install, mode folder et install. Maintenant, en attendant que ça se termine, je vous conseille aussi d'installer Scripthook. Scripthook V. Voilà. Scripthook V qui est ici. Vous le prenez. Ensuite, vous cliquez sur download. Comme ceci. Et vous faites enregistrer. Là, ça va faire ici. Vous cliquez ici. Ensuite, vous allez vous rendre dans les fichiers de votre jeu. Donc moi, mon GTA, il est ici. Vous pouvez le trouver avec le launcher avec lequel vous l'avez installé. Là, on va dans bin. Je prends les deux là. Je prends pas le native trainer. Et je fais remplacer. Bon, ils y sont déjà, mais vous aurez pas à les remplacer. Voilà. Et après, vous pouvez installer menu, qui est un mode menu qui est très sympathique. Voilà, menu. Vous faites télécharger. Ensuite, vous faites la test release, donc la dernière version. Vous faites enregistrer. Là, vous cliquez et vous prenez tout ça sauf le readme et vous glissez ça dans les fichiers de votre jeu. Voilà. Et une fois que c'est fait, et ben normalement on devrait être bon. On attend juste de voir que ça soit installé. C'est parfait. C'est installé et normalement on a installé tout ce qu'il nous faut pour que notre GTA se lance parfaitement avec notre mode conduit. Donc, je vous reprends une fois que je suis dans le chargement du jeu pour vous montrer parce qu'il y a encore quelques paramètres à régler. Donc je vous reprends une fois que c'est fait. A tout de suite. Donc une fois qu'on est sur GTA, donc là vous allez aller dans paramètres ici, graphisme, et alors ce qui est conseillé c'est de mettre la qualité des reflets en ultra, la qualité des effets visuels en ultra, et c'est tout. Normalement c'est les qualités là qu'il faut mettre en ultra. Après moi je mets quand même pas mal de choses à fond. Il n'y a que ça, j'ai pas activé tous ces trucs là, ça sert à rien. Mais sinon, oui, qualité des textures très élevée, il faut mettre qualité de l'eau élevée, qualité et le plus important, effet visuel. Voilà, qualité visuelle et reflet. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez par exemple en bas à gauche, normalement vous devrez avoir compte vie. Si vous n'avez pas ce logo, c'est que vous avez raté quelque chose et je vous invite à recommencer le tutoriel. Si jamais vous avez, sinon, si vous avez ce logo, c'est que c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, on va lancer le mode histoire et je vais vous présenter un petit peu le mode. Donc je vous reprends une fois que le mode histoire est lancé. A tout de suite. Donc une fois qu'on est sur
GTA. Donc vous avez peut-être remarqué déjà que bah, y a des choses qui ont changé. Mais si vous remarquez que quand vous sortez, que le ciel est comme ça, c'est assez normal. Vous allez faire F5, ça va vous lancer un menu de compte. Là, vous allez pouvoir modifier beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller en cloud et de mettre en, par exemple, en clear. Voilà. Mais la galaxie, normalement, y a un autre paramètre pour ça. Je me rappelle plus exactement duquel c'est. Mais il suffit, si je ne me trompe pas, juste de changer en fait le temps, de se mettre par exemple à midi et de se remettre à 20h. Normalement, voilà, ça devrait s'en aller, mais bon, c'est pas le truc le plus grave encore qui doit être réglé pour le moment. Alors, donc maintenant je vais vous présenter un petit peu le mode. Donc F5, comme je vous ai dit juste avant, graphisme, vous pouvez changer plein de choses. Moi, ce que j'aime bien changer par exemple, c'est le motion blur, le mettre en 50% ou même à 100%. Un petit motion blur, c'est sympa. Après, vous pouvez aussi changer du coup la météo. Alors, si je me retrouve, voilà. Vous pouvez mettre par exemple en rain, c'est le mieux. Et mettre dans les graphismes des nuages en rain aussi. Pour que ça soit plus réaliste. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très joli. Le jeu est vraiment hyper sympa. Après, vous pouvez faire spawn des véhicules, mais je vous conseille pas que celui-là. Plutôt avec F8, avec menu. Voilà, véhicule option, véhicule spawner. Vous pouvez faire spawn des super. Vous pouvez faire spawn pas mal de petits véhicules sympas, pas faire spawn ça par exemple. Voilà. Et vous allez pouvoir rouler avec ça sur la route. Si les PNJ décident de rouler bien sûr. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors après, si je voulais vraiment je vous montre de nuit, je suis désolé vraiment pour le souci, il faut que je m'intéresse, mais voilà. Normalement, quand c'est comme ça, ouais, c'est réglé. Donc vous voyez de nuit ça donne ça, c'est vraiment hyper joli comme vous pouvez voir. Bon, j'ai quelques petits bugs de règle, je suis désolé, j'espère que ça va pas. Trop être embêtant pour vous niveau bug de rec, mais voyez un petit peu ce que ça donne, c'est vraiment hyper joli. Voilà, donc, je suis désolé, je vous ai pas mis le son du jeu, mais c'est pour que vraiment vous soyez plus immersé dans ma voix et que vous compreniez toutes mes explications. C'est vraiment un des modes les plus beaux et je trouve qu'il est encore plus beau que Natural Vision personnellement. Si jamais vous voulez par exemple installer Natural Vision, eh ben, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, j'en ai fait déjà une vidéo. Si jamais vous souhaitez aussi installer un pack de sons d'armes sur GTA qui rend les sons des armes quand vous tirez bien plus réaliste, n'hésitez pas non plus à regarder sur ma chaîne, j'ai fait un tutoriel expliquant comment le faire. Voilà, donc on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'était le cas, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aussi, voilà, j'ai déjà dit, mais ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Sur ce, c'était Pedro, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye.